Voilà, c'est bon. Donc sur votre gauche, vous avez cette bille aspic marinière. Au milieu, vous avez une mousse de sardine avec une chantilly légèrement citronnée et un peu une tartelette avec son houmous de pois chiche. Vous avez également les brioches au baies de goji. Bonne dégustation. Alors, on va démarrer ici donc avec le concombre arménien. Vous allez retrouver donc légèrement grillé en brunoise accompagné donc du tourteau. Et vous allez avoir un voile de lait ribot et poivre de thymeur dans le fond de l'assiette. Et je vous sers une bisque glacée qu'on a aromatisée avec du gin. Bonne dégustation. Merci. C'est Macron du coup. Donc avec le verre, Macron, tomates, les chips, les petits condiments, les petites pousses de radis. Et là, on va avoir un fumet consommé. On va avoir bien réduit le corps sec de l'algue kombu et du piment qui va venir relever un petit peu tout ça. Et après, la suite, ça se passera en salle. Donc là le macro il est plus basse température, d'accord. On va juste le caraméliser à la flamme. C'est un poisson comme tu sais qui a pas mal de goût, du coup on va concentrer un petit peu cette saveur avec ce côté légèrement brûlé. Pour le coup je trouve que ça a un réel intérêt sur les poissons comme celui-ci. Les poissons gras. Ouais, faut pas aller sur tous les poissons comme ça parce que. Du coup on va juste le lustrer avec du beurre, parce que bon bah moi je sais que moi c'est le beurre, le atlantique. Du coup on va pouvoir bien retrouver ce côté doré en bouche, après ça va être sympa. On va pas le mettre de fleur de sel parce que comme on le fait passer en saumure avant de le cuire. Ah oui donc elle est déjà après, un peu salée. Exactement. Donc on va commencer avec le condiment tomate et péquillo. Ensuite on a le cerfeuil. Et après du coup le consommé réduit dont je te parlais. Ah oui, c'est chouette. Lui, tu vois, il va vraiment prendre tout son intérêt une fois dans l'assiette, il ne faudra pas hésiter à tout prendre en même temps. Les tomates confites, donc entières, au four, avec un petit peu d'huile de cacahuète. Comme ça, on travaille avec la maison Gannard sur ce produit. Oui, Gannard. L'habitude, le petit poivre qui va bien. Ah bah, ça bouge. J'avoue que la tomate, c'est un produit que j'aime bien au naturel. J'aime pas trop la dénaturer. Bah, puis si tu prends des tomates sans du goût. C'est ça, logiquement on est censé. En plus de les confire comme ça, normalement ça les concentre un petit peu en saveur. Donc ensuite là on a un tartare de 3 tomates différentes, voilà, tomate ananas et la rose. Donc lui on l'a juste assaisonné au vinaigre xérès. Ah, et pour apporter l'anglais, voilà exactement, qui va aider en fait un petit peu si tu veux le. Juste ah, en bourgeon. Et ça ressemble au café. Un petit peu, bah c'est l'idée, je les ai fait en pickles, tu vois, il y a 2 mois. Puis bah, du coup je me suis dit tiens sur ce plat là ça va bien marcher. Donc ensuite là j'ai récupéré les purées, les pulpes en fait de la sauce tomate là qui est ici. J'ai récupéré la pulpe et puis j'ai fait une chips, j'ai fait un petit appareil avec pour faire une petite tuile en fait de légumes séchés. Là, c'est des micro-pousses en fait de chez Géopoustou. C'est une culture verticale à Tours. Ils travaillent avec l'Elysée et tout ça, enfin ils travaillent vraiment avec des belles maisons. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être chouette de bosser avec eux. Ils sont presque dans la production à la commande. Donc ils arrivent vraiment à avoir un petit panel de chefs avec qui ils évoluent pour vraiment se concentrer sur une culture qui est vraiment juste et pas en avoir trop. Alors, ils ont toujours un petit peu sous le coude quand même pour au cas où. Puis après, le reste, ça va se passer en salle. Ok. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, macro de la turbale grillée juste à la flamme, travaille sur la tomate en condiment, en tartare, cerfeuil et vinaigre de xérès et confite. Et avec ceci, je vais vous rajouter un yaourt au cumin. Alors on va apporter un peu de gras à ce plat qui est pour le coup assez festival si je puis dire. Et bon bah voilà, moi mes natures nord-atlantiques font que j'ai envie d'avoir un petit peu de gras, de crème dans presque chacun de mes plats. Donc voilà, ça apporte un petit peu, le cumin va très bien se marier avec la tomate et l'huile de cacahuète qu'il y a dessus. Et le maquereau également, donc grillé à la flamme, qui a quand même pas mal de saveur. Et comme j'expliquais aussi, vous avez donc le consommé juste réduit, travaillé à l'algue kombu. Donc c'est vraiment important, il y a un petit peu de piment, ça va vraiment tout ça, ça va donner un peu de peps à ce temps-là. Je vous invite vraiment à goûter tous les éléments en même temps, quitte à casser le dressage, il n'y a pas de problème. Là c'est le cabillaud. C'est pour le coup, pour l'instant, le plat qui en est le plus ressorti par rapport au client. Ouais, les gens l'adorent en tout cas. Donc j'espère que ça te plaira aussi.
Bah déjà là, les amuse-bouches, l'entrée. Bah, l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de simple, mais bon, tu vois, juste précis, il n'y a pas besoin de. De toute façon, on n'est pas nombreux, ça sert à rien de s'embêter à faire des choses. Compliquées. Exactement. Puis j'ai toujours eu cette idée que dans la simplicité, il y avait aussi de la difficulté. Parce que les choses simples sont pas forcément faciles à mettre en avant aujourd'hui. Ouais. En tout cas, ça se perd. Et du coup, je me dis qu'à la limite, bah, une bonne purée, un bon artichaut bien cuit, bah déjà. Donc là, on a mis une purée d'artichaut, artichaut rôti. Et. Hop là. On a mis un condiment artichaut et anchois également. Là, je mets une huile de basilic indien. Là, après, on a une petite poutargue de cabillaud. C'est un produit que j'ai trouvé. Je me suis dit, tiens, je vais le tenter, pourquoi pas. Et en vrai, ça apporte, c'est chouette. Et puis après, on va retourner en salle. Ça se finira comme tout à l'heure, de l'autre côté. Cabillaud cuit basse température à l'huile de basilic. Donc on retrouve, donc comme j'expliquais, la purée d'artichaut, un condiment artichaut et sardine et l'artichaut rôti. Vous allez également avoir donc, la poutargue de cabillaud. Et puis là, on va rajouter en fait un fumet réduit légèrement crémé avec les coques à l'intérieur, basilic ciselé. Et on a fini la sauce avec juste jus de citron et alcool de Saint-Germain pour donner une petite note fraîche sur la flamme. Voilà, je vous laisse la sauce. Bonne dégustation. Alors, nous sommes ici sur le carré de veau rôti. On a retrouvé du coup la blonde blette, donc glacée et en aigre douce avec un poivre de Bahia. Et le ver, lui, est donc travaillé sous forme de blinis et condimenté avec capre et citron. Vous retrouverez également donc, des micro-pousses de bourrache. Et je vous sers un jus de veau en fait. J'ai une petite particularité sur ce jus, je fais temps pour temps jus de volaille et jus de cuisson de coque. Voilà, comme ça donne un côté iodé vraiment au jus. Après voilà, on est sur le menu salin, hein. C'est vraiment l'idée d'avoir cette continuité tout au long du menu pour présenter le terroir et puis de la Loire Atlantique par rapport à ma maman. Voilà, très bien, bonne idée. Bonne idée, merci. Voici la tête de moine, donc là vous l'aurez compris, rien à voir avec la région, ni même avec ma région native, c'est vraiment juste un petit clin d'œil à ma femme, son fromage préféré. Du coup voilà, j'ai décidé de mettre ce fromage là à la carte. Je le trouve sympathique aussi également avec cette petite rose que l'on fait avec. Voilà, ouais, un... côté avec la girole, là, le fait de. Oui, oui, avec. Donc, avec ça, vous allez retrouver un chutney poire à la baie de verveine, un voile de poire donc en aigre douce et un mesclun donc, de micro-pousses. Vous allez voir, ça se suffit à lui-même. On a juste mis de l'huile et de la fleur de sel et ça s'arrête. Et ça sarrasin soufflé pour avoir ce petit côté blé qui va être super intéressant sur le fromage. C'est super. Donc, merci. Dans un fleurant, du coup. Le pâtissier qui va te montrer le passage du chocolat qu'on fait sur le chocolat de Saint-Domingue. D'accord. Là au milieu tu vas avoir une mousse chocolat pour rajouter un streusel avec fleur de sel. C'est du chocolat en lait ou non? C'est noir 72. Là on a une ganache montée lactée pour cette fois. Donc la première bêtise c'est le montre avec Eric Barry. Donc là c'est sur le chocolat Ghana. Le Ghana il est à 68% il me semble. Donc là on rajoute un crémeux de damier. Le damier c'est un damier, du coup ça s'apparente un petit peu à l'ortie. C'est un côté un petit peu poivré, c'est sympa. Donc il existe du blanc et du violet. Là en l'occurrence en ce moment on est sur le violet parce que le blanc il est beaucoup plus coupé et plus fauché. C'est dommage parce que le blanc est une chromophile qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus verte. Là sur le violet pourpre, c'est un petit peu plus. On perd vraiment ce côté vert pétant à la cuisson. Mais c'est pas très grave. En tout cas, le tout est quand même très bien. On fait un pesto avec cacahuètes, lamé et chocolat. Super marque. Tu vois, là, tu vois. Donc là, on a mis le sorbet au lamier, voilà, tout en fraîcheur. Et une suite pareil au cacao. Et donc après, là, ça va se passer en salle. Alors. Du coup, nos desserts sont le chocolat de Saint-Domingue et le lamier. Du coup, le lamier, donc c'est une herbe lamiacée qui s'apparente un petit peu à l'ortie. Vous allez retrouver un côté assez poivré qui va bien apporter, enfin qui va bien accompagner, pardon, le chocolat. Donc vous l'avez en crémeux et en sorbet, et également sous forme de pesto. Et là, je vous ai rajouté donc un lait caramélisé qui va apporter un peu de richesse et va rappeler encore une fois le côté salin, caramel au beurre salé. Enfin, on continue sur la même note du début à la fin. Voilà. C'est le menu, il est comme ça. Une continuation. Merci.
On termine en douceur donc avec ces quelques mignardises. Vous avez une bille aux agrumes, un caramel à la noisette et vous avez également une guimauve aux bêtes de Tignères. D'accord, merci.